Vas-y, tu peux faire ça. Genre, tu peux t'installer avec ta jambe et tout si tu veux. Danser avec ta jambe, c'est... Non, t'installer. Pas danser. Vas-y, bouge un peu. Bip. Je me mets comme ça. Sans plateforme, si je suis vraiment proche de l'écran et que je peux grave écouter le son, je peux gagner contre un débutant. Contre quelqu'un qui a quasiment jamais joué. Il y a un mec comme ça, non, qui jouait à haut niveau. C'est possible parce qu'en fait, genre Pac-Man, t'as juste à poser la bouche à incendie et t'as juste à chercher des fruits. Et si je compte avec le bruit, le fruit qui arrive, et ben en fait, j'ai juste à compter jusqu'à 7, j'ai mon vaisseau et j'envoie le vaisseau. C'est je te jure, ça a détraqué. C'est malade. Je te jure, c'est free. Et toi, le demain, il se réveille aveugle, il dit moi, je peux toujours battre Vatira. C'est quoi le but du jeu là? tu vois la midline? Ouais. Il y a des pourcentages chelous. C'est quoi 50%? Mais c'est les creeps, c'est les creeps. Là il y a la wave qui arrive. Là il y a John Pierre, fais gaffe, Yagan. Il est où, Mater? Il est où? Hello! How are you? How was your vacation, bro? Vacation? I was here solo king, bro. Oh yeah? I don't have life. Oh shit. I need to work more. Oh, you were here like the whole week before? Here solo queuing? Sorry for you, man. No, it's fine. C'est un petit montage que j'ai fait quand il a battu le canard. Ça fait un petit moment, mais... Ça commence à traîner sur mon bureau, j'en ai un peu marre. On va les aller. Tu te rappelles le petit cadeau que j'avais dit que j'allais te faire? Ouais. En fait, j'aime bien les cadeaux. Tiens. Alors, ça te va? C'est exceptionnel. Tu aimes bien? C'est magnifique. Je vais devoir le mettre chez moi sur un mur. Le note. Le note. Le note. Il est sur Voltaï. C'est franchement. C'est mon cœur sur ton pseudo. C'est exceptionnel. C'est à la hauteur de mon arrivée dans à la prestigieuse. Wow. C'est mes deux œuvres d'art. Nice. Quand je serai très vieux, je dirai à mes peut-être arrière petits enfants. Vous savez, j'étais quelqu'un moi dans ma carrière. Bah merci. Voilà. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Je suis contente que tu sois président, c'est pas du directeur. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Hein. Tu ne seras donc pas viré. Fais yes. Et voilà, un autre contrat de plus. Comme quoi, ça coûte pas grand-chose. Hein. Ça, il y a repoussé l'école. Faut juste avoir un peu de suite dans les idées. Wow. Voilà. Qu'est-ce que tu nous cookes? C'est toi qui l'as fait le gâteau? Ouais, j'ai fait là, j'ai sorti de mon cul, mais ça me fait un peu mal. Casse-toi! Dégage! Mais du coup, l'histoire drôle, c'est que ils ont commandé un gâteau au même endroit que vous avez commandé, le caca, oui. Mais sans faire exprès. Sans faire exprès, donc finalement, on a les mêmes goûts aussi. Punaise, c'est exceptionnel. Je peux avoir l'appareil photo, s'il te plaît? Bah, ah oui, c'est vrai. Bah écoutez, au revoir le vlog.
les règles de l'art. Ok. C'est joli, hein. Les gâteaux de le détox, c'est magnifique, oh là là. No, the King Lion. Simba. Simba. Yeah. Words for the fans. Words for the fans. English or Spanish? Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Hope you find peace for yourself. Ok. Allez, on y va. 11-3 dans cette LFL. W, bah ouais. Flash E de la part de. Il flash pas en plus. First Blood, c'est gratuit. Mais merci, frère. Ouais, Mainter qui a pris la foudre, on veut finir ce Nash. Et en même temps on se bat sur le Renekton, on va tuer le Renekton, c'est bon. Y'a un Zonia sur le Nashor 113 qui va récupérer le Nashor et qui va survivre. Avec Fléchi, c'est magnifique, un Pédague qui revient dans la mêlée. Les dégâts d'un Pédague sont énormes, mais c'était un peu trop greedy. TP, la TP, elle est là. Et ça va backdoor pendant le fight elder et c'est fini. Heureusement que t'es pas coach, tu l'as dit. Shock bar. C'était bien le match. On a gagné. T'aurais pu continuer, hein, moi ça me va. Hein. J'ai plus d'infini. Du coup, on vient de gagner contre Bekarog. On a eu une petite semaine off, vacances, plage, famille, tout ça, où on a un peu moins scrim. Ça s'est peut-être un peu vu dans la game. C'était, on va dire, une game de reprise compétitif, mais ça s'est plutôt bien passé. L'early était un peu bizarre. On n'avait pas vraiment les ressources ou les outils pour vraiment se battre et c'était un peu lent. Sinon, on a fait des plutôt beaux teamfights et c'était une banger game. C'était très 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 long et ça s'est bien passé. On a fini par gagner sur la fin avec une TP backdoor. À chaque fois qu'on joue contre les Karog, c'est des banger games et la plupart du temps, ça se finit sur des TP backdoor. Je commence à avoir une boucle maintenant, mais voilà, ça fait plaisir. Il est stylé en vrai. J'aime bien le blanc. C'est Arthur qui m'a filé à la Paris Week. Ouais. Mais tu sais quoi, je crois qu'il m'a filé le bleu. Est-ce qu'il a filé? Est-ce que je l'aurais pas... Tu sais mec, c'est l'interview, est-ce que j'aurais pas perdu? Est-ce que j'aurais... Long time. Yeah, it was... I don't remember when, it was Tekken Tag 2. Ah, okay. Yeah, Tekken Tag 2. I still remember first time in Korea. We met in Korea. J'ai rencontré en 2010 à salle d'arcade en Corée. Oh, pareil. Ok, d'accord. Ouais, 2010. Il était... How old are you? I'm 35 international age. 35? Ah, yeah, because in Korea it's 1 year. Yeah. Il a 37 ans, il avait... Moi j'ai 37, il a 35. Il avait, ouais, 20 balais. Époque où je pouvais encore lui prendre des matchs. C'est fini. Ouais, ça ne rajeunit. Ah la vache, ça ne rajeunit pas, ça veut dire... Mais bon, si c'est pas un truc de stud, comme il va, on va voir comment ça se passe. Ça va, quoi, tranquille. Normal, ça va, c'est bon, t'es bien. Moi, je suis impeccable. Debout, assis, peu importe. Moi, je suis... Thank you.
He's not a backflip. Backflip. Frontflip. Bon, c'est parti les amis, KCB contre Mate sur League of Legends. Il va mettre le stun, oh, la marque 113, l'invade qui va trouver le first blood. Normalement White qui va flash out, non, il va pas trouver le first blood. S'il reste le flash aussi, faut toucher le prochain spell. Il va le finir au E, une auto-attaque, first blood. Il va récupérer le blue buff en plus. Pendant ce temps la Fléchi qui se bat contre Mireu, elle vient de récupérer son flash. C'est Kaisa, le flash est de la part de 113. Et oui, il avait raison, il avait raison de rester dans son move. Oh, White qui va tomber, un peu dagueux, qui va survivre, un peu dagueux. En totale maîtrise. Kalis qui farme le DPM. 23-23. Bon, tu joues au Blade. Vraiment, to be happy, but I'm thinking of BDS makeup and I'm not happy. That's a fucker. That's a fucker. You shot the fucker. Tiger. Tiger, toi. What? Two. 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 Let's go! Let's go! This game was too chaos. Hello guys, let's start again. It was pure chaos that we like. At least Kalis got the kill record, so it's worth. We didn't play that good. We weren't on the same page for too many things, but at the end we got the win and it was some fun game, I guess. Hey guys, this is JDCR and now I'm at France Lyon for the tournament, the Mix Up 2024. This tournament has two spots for Esports World Cup. And also, this tournament is a Tekken World Tour Master Tier tournament. I'm in France right now and I've been eating and then I've been resting as well, really good. I slept like yesterday 12 hours. So I'm ready for tomorrow. Écoutez les gars, là nos mix-up, on est à Lyon. Pour l'instant là j'ai passé ma poule, du coup je suis en winner et normalement je devrais rejouer vers 15h à peu près. Franchement je me sens assez bien et puis j'aime bien jouer en France à domicile sans le décalage horaire, sans tous ces trucs là. Donc en vrai ouais c'est cool et puis on se sent bien, on est bien prêt pour la suite. C'est tendu ce match, encore une fois le mix, on parlait des mix tout à l'heure. Ce qui fait Bayette, pas Bayette, hein, c'est le gros mix avec Kazuya. La grosse pression et activation de la part de JDCR. C'est bien joué le step. Avec la musique qui commence à s'exciter, c'est bien joué dans ce niveau de fou. Il passe en super méga boss. La chope à l'échauffer, ça tue. Allez, balle de match. So I just finished my pre match. I made it winners, top 64. I feel confident in my pool. I think I played bad in my first game actually. Because first game is always like, you need to warm up and then you need to be ready, right? So first game was a little, I was nervous. But after first game, I got my confidence back and then I made it out. Yeah.
Shadow, c'est chaud parce que il avait battu, ça c'est pas bon quand tu bats quelqu'un et que tu le rejoues après, une semaine après, enfin deux semaines après. Il avait battu il y a deux semaines, c'était très chaud hein. C'était 2-1, pas dernière round mais pas loin. C'est compliqué. Oh, la pression de fou, la pression de fou. C'est bien joué. Oh, il avance sans taper, c'est un spécial de JD. Il avance, attention, il va taper dans le vent, vas-y. Il va taper dans le vent, il va taper dans le vent, laisse-le taper dans le vent. Laisse-le pas taper dans le vent. Laisse-le pas taper dans le vent. Oh, c'est bien joué, putain, qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué, ce qu'il fait, vous rendez pas compte, il est là. Il est comme ça. Il est comme ça, il avance, il fait avant-arrière, 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 comme ça. Avant-arrière, avant-arrière. Il a pas besoin de ça. Il a pas besoin, il a besoin de se mettre un petit peu en frayeur, il a besoin, c'est... Il sait qu'on a des viewers, il sait que c'est Carmine, il aime le spectacle. Allez. Allez, un round. T'as moitié de bas enlevé. Moitié de bas enlevé, ça, ça gratte, c'est tellement fort. Ça, c'est tellement fait le premier. Pour être sûr que s'il y a l'autre qui rentre pas, c'était tellement bien vu. Ça, ça bloque. Ça va être terminé. Ça va être terminé. Ça va être terminé pour la place de top 16. Demain! Ajosh made it. Top 16 as a winners. So today is finished. I'm gonna be playing tomorrow. I think my pool and then my top 64 to top 16 wasn't easy. Everybody was strong. I'm glad I made it top 16. I made it tomorrow. But also I'm glad that I played without mistake. Allez, balles de match toujours, hein, qu'il faut convertir. Ouais, c'est bien joué le pari. C'est bien joué le pari pour punir derrière. Attention, pif à l'enlever ou pas, non. Il préfère choper, c'est bien joué pour essayer de gratter. La pression encore une fois, il va rechoper. On chope le, voilà, c'est bien. Il ouvre la garde avec le super niveau 3. Allez, ça va pas tuer, ça va pas tuer. C'est magique, la pression derrière. Le canon encore une fois, le perfect. Ouais, Griever, ça va être un match intéressant là. On est parti, c'est bien joué, le pari perfect, direct du côté de Kizu. 1, hop, le BMK extension avec le drive, la classique, encore une fois. Oh, la shop qui a été counter, comeback, hype, comeback, il a plus d'énergie, hein. Oh là, putain, c'était bien joué. Des fois, il va un peu en whiff, et t'as directement derrière, du coup, j'ai peur d'avoir tout réfléchi. En fait, il déchoppe l'instant, il déconne. 1. Voilà, c'est bien joué Mix. Cette fois, oh, la réaction, la super 3, réaction. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, si c'était piffé ou juste il a vu quelque chose. Le match est fou, hein. Le match est fou, hein. Le level du match est complètement fou. Attention, peut-être le comeback de Kizu, c'est maintenant jamais. C'est maintenant jamais. Qu'est-ce qu'il va faire à la relever? C'est qui tout double? Bon, ça va pas être terminé. On y croit toujours. Qu'elle fait sur elle-même avec confirme de la 3. Il a plus de ressources, il a rien. Et ça tue! Attention derrière, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça passe au-dessus! Oh non! Le confirme! Patada! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le truc dans la garde! Ça touche le mur, ça touche pas! Pipa l'a rappé! Il aurait pu peut-être reprendre, mais c'était compliqué. Il a pas pu faire la relever, puis il a fait un saut arrière. C'est compliqué. Il a tellement des bons pokes aussi. Le pari perfect de la part de Big Bird. Qu'est-ce qu'il joue bien, Big Bird aussi. Qu'est-ce qu'il joue bien, une ouverture, c'est fini. Hein. Peut-être un comeback miraculeux pour nous faire vivre encore, nous faire croire à la victoire, à la qualif. Je pense que c'est. Non, c'est pas fini encore. C'est pas fini. Oh non, il pif à la relever.
injouable depuis 2 mois, sans rigoler. Bah écoutez, du coup hier ouais j'ai fini 5e du tournoi au mix-up. En vrai je me sentais plutôt bien en fonction de mon gameplay, etc. Après évidemment j'ai perdu contre 2 mecs qui étaient bons, les 2 birds, qui ont l'habitude de ces gros tournois, des gros événements, des gros matchs. Et surtout Big Bird qui n'avait pas lu la pression de la qualif parce qu'il était déjà qualifié. Donc c'est toujours plus dur de jouer contre un mec qui entre guillemets sans stress et qui a rien à jouer. Après ouais bah c'est dommage de ne pas avoir fait ce top 8 du coup à une des 2 DreamHack parce que ça m'aurait assuré la qualif. Mais ouais je pense que c'est quand même assez encourageant pour la suite. J'ai battu des joueurs qui étaient très forts, j'ai battu des joueurs qui étaient qualifiés. Je suis vraiment pas loin. Après il reste qu'une étape, donc faudra avoir la chance au bon moment. Mais en tout cas c'était cool justement d'avoir le stream. Que vous ayez pu voir mes matchs en direct et que vous ayez pu me supporter. Donc merci en tout cas de m'avoir supporté, de m'avoir encouragé, parce que c'était une longue journée, ça a commencé à 11h, ça a fini à plus de 20h. Donc merci, et c'était cool et j'espère vraiment que faire encore mieux vous rendre encore plus fier pour les prochains tournois. Delicious. Delicious. Yeah, it's like in English. Delicious. Beautiful. Yeah, the same word. Delicious. Il a encore sa barre de Super Saiyan qu'il active comme ça pour mettre la pression. Allez, vas-y le jab. Oh, c'est bien joué, putain! Ça, c'est solide. C'est tellement tendu du slip, ça joue tellement bien. La chope qui est déchopée en réflexe, encore une fois. Allez, un combo d'ouverture, c'est fini. N'en parle plus. Activation. Allez. Non, j'y crois. Allez, comeback. Putain, mais c'est vraiment l'escroquerie, ce putain de truc aussi, là. Oh, le combo optimisé, mais de fou. Allez. Un comeback légendaire. So I'm at the mix-up second day. I finished as a 9th place. I think I played. First game was. I lost first game, but honestly, that was maybe okay. But most likely, the problem for today it was second game, I think, because the matchup I played against Jun, that the matchup was kind of rare in Korea. So maybe I needed more practice for the matchup. But I tried my best. Thank you for supporting. Merci.